بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Juste la vérité, ICR 13, vous présente la Trinité, quatrième partie. Comme je le répète, si vous n'avez pas vu les autres vidéos, je vous conseillerais de les regarder avant de regarder celle-ci. Je commence. Quand j'entends ce que vous dites sur la Trinité, je voudrais savoir d'où viennent vos interprétations et sur quoi vous basez-vous. Quand même j'observe la Bible, je vois, et cela est mon point de vue, que la Bible contredit la Trinité et la divinité de Jésus alayhi wa salam. Mais quand on y voit les versets où il y a Dieu, Jésus alayhi wa salam et le Saint-Esprit, les versets montrent l'opposé de ce que vous nous dites. Qu'Allah vous guide. On y voit que dans certains versets de la Bible, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais cela ne veut pas dire que Jésus, alayhi wa salam, est Dieu, ou que ces versets définissent le dogme de la Trinité, mais nous fait plutôt comprendre qu'il y a un seul vrai Dieu, que vous appelez le Père, qui envoie Jésus, que vous appelez le Fils, qui dit la parole de Dieu par le Saint-Esprit, qui nous le prouve clairement dans selon Jean, chapitre 3, versets 33 à 34. Ce verset que je vais très souvent répéter tout au long de cette vidéo ainsi que la prochaine, la cinquième partie, pour éclaircir la signification d'autres versets, Inch'Allah, qui expliquera justement, comme je vous l'ai dit, qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous pouvez voir que dans ce verset, il y a Dieu, le Saint-Esprit et Jésus. Allahi wa salam, mais cela représente juste un rôle et une manifestation expliquée par un contexte qui lui est propre, qui montre qui ils sont réellement et fait juste comprendre beaucoup de versets de la Bible où il y a les trois qui sont représentés, dont certains que je vais vous citer, qui prouvera qui est chacun d'eux et qui mettra à contradiction la Trinité que l'on vous enseigne. Par exemple, dans selon Matthieu chapitre 3, verset 16, il y a les trois dans ce chapitre, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais ce chapitre montre bien qu'il y a un Dieu unique qui envoie le Saint-Esprit sur Jésus qu'il a choisi, comme le résume selon Jean, chapitre 3, versets 33 à 34. Le verset dit « Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. » Confirmé par Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Jésus, alayhi wa salam, a reçu le Saint-Esprit, et s'il l'a reçu, c'est qu'il ne l'avait pas. Donc il ne peut être Dieu, car le Saint-Esprit vient de Dieu, ni le Fils, car venant de la même essence de Dieu, il l'aurait déjà en lui-même, et il n'aurait pas eu besoin de le recevoir. Et pareil, si Jésus, alayhi wa salam, est lui-même le Saint-Esprit. Que Dieu donne à celui qui lui est soumis, appuyé de nouveau par Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Vous voyez bien dans ces versets la différence entre Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. Bien qu'il y a les trois réunis, ne montre en aucun cas la Trinité comme vous la définissez. Par ces versets, la Bible elle-même contredit votre Trinité et montre que le Père est Dieu et que tout
est donné par lui et que le Fils reçoit ce que Dieu veut bien lui donner. Comme la parole par l'intervention du Saint-Esprit, comme le dit les versets que je vous ai cités. Tout lui a été donné, comme le dit aussi Jésus, alayhi wa salam, dans selon Matthieu chapitre 28, verset 18. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et on ne peut donner le pouvoir que à celui qui ne l'a pas. Or Dieu est pouvoir, et fait que si Jésus était Dieu, il n'aurait pas eu besoin de recevoir tout pouvoir. Il les aurait déjà en lui-même. Dieu sans Jésus est tout pouvoir, tandis que Jésus sans Dieu n'a aucun pouvoir. Revenons sur selon Matthieu chapitre 3 verset 16. Que je vous ai cité au début, comme quoi dans ce chapitre, il y a les trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit réunis, mais qui montrent bien la différence entre eux. Ils sont distincts et non égaux au Dieu unique, qui, par sa volonté et non la leur, envoie le Saint-Esprit sur Jésus, alayhi wa salam, qu'il a choisi afin de dire la parole de Dieu, qui n'est pas justement celle de Jésus, alayhi wa salam. Et si ce n'est pas la sienne, cela montre alors que Jésus, alayhi wa salam, n'est pas Dieu, car la parole vient de Dieu. Et si Jésus, alayhi wa salam, était Dieu, elle viendrait de lui-même. Comme le résume, selon Jean, chapitre 3, verset 34, et qui est toujours confirmé par Jésus, alayhi wa salam, dans selon Jean, chapitre 14, verset 24, qui dit « Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Jésus est d'autant plus formel dans selon Jean, chapitre 12, verset 49 à 50, « Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je les dis comme le Père me les a dites. » C'est pour cela que Jésus, alayhi wa salam, dit dans selon Jean, chapitre 5, verset 24, « en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, entre parenthèses, Dieu, a la vie éternelle et ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Allons-y, récitons selon Matthieu chapitre 3, versets 16 à 17. « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Là, il vit l'Esprit de Dieu et non Dieu, car personne n'a vu Dieu, comme il est dit dans selon Jean chapitre 1, verset 18. Et si Jésus était Dieu, tout le monde l'aurait vu, et il n'aurait pas eu besoin de recevoir le Saint-Esprit qui aurait été venu de lui-même. Si Jésus est Dieu, comme vous le dites, Dieu ne va pas s'envoyer sur lui son esprit. Et si il lui envoie, c'est que Jésus n'en avait pas. Et si il est égal ou si il était lui-même Saint-Esprit ou Dieu, il aurait déjà en lui. Comme j'aime toujours l'exposer à ma façon, si vous dites que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, bien qu'il n'y a pas trois dieux, mais un seul Dieu, donc Jésus étant Dieu et le Saint-Esprit étant Dieu, appelons Jésus et le Saint-Esprit Dieu. Cela ferait, dès que Dieu eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu, qui est Dieu, descendre comme une colombe et venir sur lui Dieu. Entre autres, Jésus étant Dieu, le Saint-Esprit étant Dieu, Dieu vit Dieu descendre sur Dieu. Pareil avec le nom Jésus. Si Jésus est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu, appelons Dieu et le Saint-Esprit Jésus. Cela ferait, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Jésus descendre comme une colombe et venir sur lui. Jésus vit Jésus descendre sur Jésus. Et pareil, si on le fait avec le Saint-Esprit vit descendre le Saint-Esprit sur le Saint-Esprit. La hawla wa la quwata illa billah. La suite
Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et encore, Jésus étant le Fils et étant aussi Dieu, comme vous le dites, cela fait que Dieu parle de lui-même en se désignant Fils en même temps. Celui-ci, Jésus, si vous dites qu'il est Dieu, c'est comme si Dieu parle de lui-même. Celui-ci est mon Dieu bien-aimé, en qui je me suis mis toute mon affection. Eh oui, si vous affirmez que Dieu s'est fait homme en Jésus, vous devez alors accepter cela. En plus, une fois il est Fils, une fois il est Dieu, une fois il est homme. Alors quand Dieu devient Fils et quand il devient homme? Ah non, j'ai oublié, il est Dieu, il est le Fils, il est le Saint-Esprit, il est tout en même temps. Et on parle du même Dieu. Bref, Dieu envoie le Saint-Esprit, qui est lui-même Dieu, descendre sur Jésus, qui est lui-même Dieu aussi. Par une voix qui s'est faite entendre des cieux par ses paroles. Il se l'envoie du ciel tout en la recevant sur terre. À noter que il vit l'Esprit descendre comme une colombe, ayant souvent entendu que c'est l'Esprit qui s'est fait chair, c'est-à-dire Dieu qui s'est fait homme, eh bien là, c'est l'Esprit qui s'est fait colombe. Donc la colombe est-elle Dieu aussi? Dieu s'envoie en Saint-Esprit comme une colombe sur lui-même, se faisant homme sous la forme humaine, en la personne de Jésus se faisant baptiser en son propre nom. Entre autres, Dieu qui se fait baptiser, et comme vous baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Donc, vous pourriez dire aussi, je te baptise au nom de Dieu et de Dieu. Si les trois, en fait, est le même Dieu. Revenons à la réalité. Justement, après le baptême, dans ce verset qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection », fait que c'est vraiment en ce moment-là que Jésus, Allahi wa salam, devient Fils. Après avoir reçu le Saint-Esprit, comme il est dit aussi dans Romains chapitre 8, verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu » son fils de Dieu, ce qui donne une autre signification de l'appellation « fils » que le sens propre que l'on veut lui attribuer, mais qui veut plutôt dire le serviteur, le messager, celui que Dieu a choisi et envoyé, pour transmettre la parole de Dieu et de la représenter, comme l'explique Jésus alayhi wa salam dans selon Jean chapitre 10, versets 34 à 36, où il dit « que celui qui est appelé Dieu ou Fils est celui à qui la parole de Dieu a été adressée et dont Dieu a sanctifié et envoyé dans le monde. » Tiré de Psaume chapitre 82, versets 6 à 7. « J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. » Dans la Bible, ont été également nommés fils tout ce que Dieu a choisi, comme Israël, qui est Jacob, David, Salomon, etc. Que la paix d'Allah soit sur eux. A noter que vu que après le baptême de Jésus, alayhi wa salam, Dieu lui envoie le Saint-Esprit, montre bien qu'il a choisi comme prophète à une époque bien précise. Car à chaque époque, il y avait un prophète, messager, et en ce temps-là, le seul était Jésus, alayhi wa salam. Avant que vienne le dernier des prophètes, Mohammed, sallallahu alayhi wa salam, qui est dit dans le Coran, sourate 33, verset 40, et pour tout l'univers, le Coran, sourate 21, verset 107. Le fait que Jésus soit en ce temps-là le seul médiateur entre Dieu et les hommes montrent encore une fois qu'il n'est pas Dieu, sinon le message se serait fait directement entre Dieu et les hommes. Ce qui n'est pas le cas, car là le message passe d'abord de Dieu par le Saint-Esprit à Jésus, alayhi wa salam, comme le dit Jean chapitre 3 verset 34, pour être ensuite transmis aux hommes, comme le dit 1 Timothée chapitre 2 verset 5, car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, pour leur dire qu'il y a un seul Dieu,
Selon Jean, chapitre 17, verset 3, « Le seul Seigneur, notre Dieu, l'unique Seigneur, que tu aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force, selon Marc, chapitre 12, verset 29 à 30, et que tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, que tu serviras lui seul, selon Matthieu, chapitre 4, verset 10, « Car si tu veux la vie éternelle, observe les commandements, selon Matthieu, chapitre 19, verset 16 à 17. » Le Coran, sourate 16, verset 36, « Bismillahirrahmanirrahim, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous du Tarout. » Alors Allah en guida certains, mais il y en a eux qui ont été destinés à l'égarement. Parcourez donc la terre et regardez quelle fut la fin de ceux qui traitaient nos messagers de menteurs. Bien sûr, en cette époque-là, bien précise, le seul médiateur pour sa communauté était Jésus El Hayywa Salem. Le Coran, sourate 3, verset 49, il sera le messager aux enfants d'Israël. Jésus El Hayywa Salem le dit lui-même dans Matthieu, chapitre 15, verset 24, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Entre parenthèses, s'il y avait un seul médiateur, Jésus, El Hayywa Salem, pourquoi suivre Paul? Et ce qui fait alors que si Dieu a choisi Jésus, El Hayywa Salem, comme prophète et messager en ce temps-là, c'est qu'il fallait forcément le suivre et le reconnaître. Il en est évident que dans, selon Matthieu, chapitre 28, verset 19, à 20, celui qui sera baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit sera de reconnaître Dieu comme le seul vrai Dieu, Jésus comme son envoyé et le Saint-Esprit que Dieu lui a transmis. Et Jésus, El Hayywa Salem, ne fait en aucun cas comprendre qu'il a été envoyé à ces nations et d'en faire des disciples en reconnaissant que Jésus est Dieu, le Saint-Esprit et Dieu, et de les baptiser ainsi dans cet état d'esprit, car certains chrétiens justifient la Trinité par ce verset, qui est justement contraire à ce que montre selon Jean chapitre 3 verset 34, selon Matthieu chapitre 3 verset 16, et aux enseignements de Jésus El Hayywa Salem, qui, dans la suite de ce verset de selon Matthieu chapitre 28 verset 19, que vous considérez qu'il indique la Trinité, Jésus, El Hayywa Salem, dit au verset 20 d'enseigner à observer tout ce qu'il vous a prescrit, tous les jours jusqu'à la fin du monde, comme par exemple qu'il y a un seul vrai Dieu et Jésus comme celui qu'il a envoyé. L'affirmant lui-même dans selon Jean, chapitre 17, verset 3, qui dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Et donc, comme le dit Jésus El Hayywa Salem, enseignez-leur ainsi à observer tout ce qu'il vous a prescrit. Comme je l'avais un peu expliqué dans la troisième partie, ce verset de selon Jean chapitre 17 verset 3 sera un peu plus développé dans la cinquième partie, Inch'Allah. Fin de la quatrième partie, la Trinité, et je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et à bientôt pour la suite, Inch'Allah. Subhanaka lahuma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.